Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais qui ne sera pas un vlog, même si j'arrête la caméra comme ça. C'est justement parce que quand je vais déposer la caméra, je pourrais plus faire l'intro. Du coup, je préfère faire l'intro comme ça avant de commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, les gars, ça sera une petite vidéo où je vais tout simplement vous proposer 4 petits looks là. Vous voyez, pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Sans forcément racheter de nouvelles tenues, tu vois. Tu prends juste ce que tu as déjà et tu les assaisonnes à ta manière. Et là, je ne suis pas chez moi, donc ce qui fait que je pourrais voler le manteau d'une fille qui s'est couchée, qui est couchée là-bas à côté de moi. Sans plus tarder, let's go. Maintenant, je cherche comment poser ma caméra. C'est ma tête. C'est ici. Si tu n'as pas besoin d'entendre ta vidéo, ta voix dans mes vidéos. Donc mon premier look, je vais utiliser ce pantalon que j'ai eu chez Asos. En solde. En solde. Franchement le pantalon, si vous voyez le détache à peine, il est même pas en bonne mesure. Oh mais c'est pas ça. Je sais même pas ça suffit, ça va pas suffire. Wobo. Wobo. Voilà les gars, donc du coup je vais mettre ce pantalon là qui vient de chez Asos avec faux que j'ai acheté chez Chili. Franchement, ça c'est le truc que tu mets. Moi j'aime trop la. J'aime trop, c'est trop cute de toute façon là. Et du coup avec ce manteau que j'ai eu chez Pinky, j'aime trop la couleur, franchement la couleur du manteau aussi. Oh mon dieu. Tous les looks que je vais avec ma chaussure parce qu'il fait froid. Plein de porter des talons ouverts en fait. Donc je ne veux pas faire l'hypocrisie ou proposer des looks avec des talons ouverts. Parce que c'est que moi-même là, je ne peux pas. Jésus-Christ qui m'a envoyé ici de ta maison aussi, la lumière. Franchement. Pas de tes looks, maman. J'ai fait quoi? Que t'es fait? Mais les amis, les amis, it's giving, maman. Franchement, it's giving. Je vous ai dit que tu as besoin d'être en rouge. C'est vrai quand tu penses que Noël c'est rouge, blanc et tout. Mais, it's giving, ma soeur. Le vert aussi, c'est le vert du sapin. Ça give. Aujourd'hui, là, tu es bien. Tu n'es pas à côté de la barbe. J'aime ce que je vois. Petit haut là-dedans. Hein. Vous voyez le haut là, ça fait sexy, ça fait sexy. Suis-moi bébé. Ensuite, petite bottine là, que j'ai acheté bien sûr chez Chili. Si vous voyez 10 de mes habits, 8 viennent de chez Chili. J'ai cru qu'elle va arriver au restaurant là pour ça. Je sais, elle va pas. Mais il y a un make-up. Je l'ai même dit. Les fossiles, les boucles. Ah, tu fais les fossiles. Je l'ai même dit, mais les filles. Pas besoin de payer. Ok. Est-ce pas besoin de quoi? Donc les amis, ça c'est le look final. Honnêtement, j'aime trop parce que ça fait très classe et très geek. Je sais pas comment expliquer ça. Dans ce sens, tu as un gros pantalon, un gros manteau et après, bébé, suive-moi. Non, le style is giving. Après, tu me dis, moi, que je dois mettre ça avec que je suis ouverte. Je trouve que c'est la raison, parce qu'il fait quand même froid. Donc, la chaussure ouverte, c'est risqué. Sauf si je fais la photo avec au restaurant et. Donc, pour information, ce jour sera porté ce Noël. Donc, écrit. Donc, je vais porter. Rapproche-toi un peu, je suis demoiselle. Pour information, franchement, les amis, n'hésitez pas à vous. Allez, je suis chérie, c'est tout ce que vous avez dit. Ils ont les pépites maintenant. Ils ont les pépites maintenant. Ils ont les pépites maintenant. Et on achète son sol. Et j'achète. Je sais plus. Je sais ça avec tes données. Donc, c'est ça. Les prix sont très bien. Ça, c'est le remis. Oui, chérie, là. Après, le pantalon vient de chez Asos, mais Asos aussi c'est pas cher, parce que c'est notre restaurant de l'éco, de promo et tout ça. Oui, ça donc, va. Ça va. Le manteau est cher. Le manteau, oui, c'est cher. Déjà, c'est la coupe qui m'a donné la capacité. Voilà, donc c'est ça. Ok, les gars, donc pour le look suivant, je vais tout simplement mettre cette jupe.
cette petite jupe noire qui vient aussi de chez Shein, que j'aime trop parce que ça fait sexy. Ouais, c'est vrai. Un peu d'aide pour me faire la jupe. Tu connais? Je le connais pas cette jupe. Ça fait plus d'un an que je viens de faire ça. Tu connais? Bon, après, j'ai posté. Je pense que la jupe. En fait, moi, je me rappelle, ça fera trop comme la chorale. Ça fera comme la chorale. Ah bon? Comme c'est ce que tu penses que c'est fille. J'ai fait la chorale. J'ai fait la chorale. Je vais vous dire que je connais mieux. Donc j'hésite. Soit le col roulé orange avec ça, que j'enfilerai. Et dans la jupe, bien évidemment, il y aura un petit collant. Parce que c'est bien. Et toujours avec ma talon, ma boutillante. Sauf que cette fois-ci, comme je t'ai dit, j'ai besoin d'un manteau noir que je n'ai pas. Et que Cindy a. Elle ne sait pas encore que son manteau va nous donner plus de look. Mais bon, 10 euros le look. 10 euros, même qui se veut dans la chaîne. Si tu veux plus mettre avec le orange, avec le orange. Parce que ça fait. Ça fait 3 mois et pas ça. Je suis pas à l'aise avec le sens où quand je porte des mini jupes, mes pieds sont toujours trop fermés. Ça, on va t'expliquer ça. C'est ce qui me dérange. Sinon, j'ai pas de souci avec. Le seul truc pour lequel j'avoue, j'ai un souci avec sont les rangs moulantes. Parce que je trouve que mon ventre trop fort. Maintenant, il va se détruire. Elle va voir que c'est bon. C'est ce qui est avec mon ventre. Et qu'on va se détruire dehors avec mon ventre. On va se terrasser là-bas dehors. Mais. Donc, mes amis, là, c'est le deuxième look. Ton verrage, tu l'as mis où? La vitesse, là. La vitesse, là. La prise en charge. Merci. On va faire le verrage. La vie, attendez, je cherche le manteau de Cindy. Ici que l'amitié, c'est la prise en charge. T'as vu pour vous? Le style a changé. Ça ajoute quelque chose. Vous voyez dans le manteau, ça rajoute. Vous voyez comment c'est tranché? Comment c'est droit? Le verret il vient d'où déjà? J'avoue que ce look, j'ai pas dit. Le verret vient d'où? Je ne sais pas. Non, mais déjà, j'ai fait. Ça, c'est Shein. Tout mon look, c'est Shein. Le manteau, la jupe, Shein. Collant, Shein. Je suis Shein, comme tout à l'heure. Le pull, Shein. Mais surtout que je vous le conseille pas parce que je suis quand même le plus léger. Le manteau, c'est Pinky. Le manteau, Pinky. Aussi, il y a un peu Voilà. Donc les amis, ça c'est un jour que je vous pouvez aussi porter pour Noël, pour un dîner, pour sortir entre les copines et tout ça. Franchement ça passe. Comme j'ai dit, c'est obligé d'être en rouge. Hein? C'est obligé d'être en blanc, rouge. Bref. It's giving. Donc les gars, là je suis de retour. Donc sans plus tarder, on va faire le troisième look. Une autre jupe, cette mini jupe rose. Cette jupe rose avec cette chemise blanche. Pour que le blanc rose ça va plus. Et pour finir ce petit pull là, vu qu'il fait quand même un peu froid, on va partir sur ça. Et comme toujours, je vous ai dit qu'on va garder la neige dessus jusqu'à la fin parce que bah, évidemment, déjà j'aime pas avoir la neige, c'est pas la neige, c'est pas trop froid. Et de deux, il fait froid. Donc on va garder ça. Et le béret tombe sous la tête, je pense que ça fait un petit stick parisien à Hugo. Donc, 1, 2, 3, go! Donc les gars, voilà ce que ça donne un peu. Avant, bien évidemment, vous pouvez mettre votre petit sac ou je ne sais pas. Du coup, c'est les pulls underwear, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc les pulls qui sont des là, ça peut aussi tellement bien passer avec le look. Je crois qu'il y a encore un peu de pulls. Bah, tu peux parler des gilets. Les pulls underwear là, oui. Les gilets là. Oui. C'est le gilet court. Oui. Okay. La même matière, si, mais vous. Ça peut très bien passer du métal dessus, oui. Et voilà, vous pliez comme ça là, ça passe aussi très bien, vous bien passé. Plan. Je trouve que jusqu'ici, mon préféré c'est Ken. Jusqu'ici, Ken m'a rouge. J'ai envie de dire le premier, mais le deuxième aussi j'ai trop aimé. Donc c'est le deuxième. J'ai envie de dire le premier, mais le deuxième là j'ai aimé avant. En fait, le premier, il y avait trop de pièces de qualité en fait. Le pantalon, le manteau et tout. Et le deuxième, je m'attendais pas à ça dans le sens où. Mon petit chat. Dans le sens où, oui. Les pistes ne sont pas forcément trop chères, mais
ça a son petit charme. En tout cas, ici, je pense que c'est le look 2. Le look 2, il est un peu en... presque pareil que celui-ci. Presque pareil, donc... je pense que c'est le look 2, le look 1. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça c'est Olive du montage et effectivement j'ai coupé toute la partie de la quatrième tenue parce que comme je vous ai dit dans la première partie, j'ai horreur des robes moulantes en fait, dans le sens où je supporte pas de pouvoir robes moulantes devant mon ventre et devant que je me tue pour faire partie à la salle. Mais bon, honnêtement je veux pas mettre la quatrième vidéo parce que j'aime pas me voir dessus. Du coup je vais vous laisser avec les trois looks là comme ça. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, bref. J'ai pris juste la caméra pour dire ça.